Un document exclusif envoyé par une source anonyme au groupe nommé Drastic, une équipe d'investigation mise en place par des scientifiques du monde entier pour étudier les origines du Covid-19, tisse de nouveaux liens entre le coronavirus et le laboratoire de Wuhan. Ce document, dont l'authenticité a été confirmée par un ancien membre de l'administration Trump, provient de DARPA, l'agence de défense des États-Unis, chargée du développement des nouvelles technologies militaires. Il montre que des scientifiques chinois et américains projetaient de libérer des particules augmentées de coronavirus aéroportées dans les populations de chauves-souris chinoises, dans le but de les immuniser contre les maladies potentiellement transmissibles à l'homme. Ce projet nommé Diffuse ou Désamorcer prévoyait également la création de virus chimériques génétiquement modifiés pour infecter plus facilement les humains. La demande de financement du projet à hauteur de 14 millions d'euros a été soumise à DARPA par le zoobiologiste Peter Dazak de l'organisation américaine EcoHealth Alliance. Qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan dans le cadre de recherches sur les coronavirus des chauves-souris? Dazak est également à l'origine d'une lettre publiée dans The Lancet l'année dernière qui a effectivement clos le débat scientifique sur les origines du Covid-19. Selon un rapport de l'Institut stratégique de l'école militaire, d'après la CIA et le service de renseignement allemand, au début de la pandémie, la Chine aurait menacé l'OMS d'arrêter toute coopération si l'agence déclarait une pandémie. Ainsi, l'OMS largement financée par la Chine aurait ignoré les messages d'alerte envoyés par les centres taïwanais de contrôle des maladies dès le 31 décembre 2019 et a tardé à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. En couche professeur d'oncologie à l'université Saint-George de Londres, qui s'est battu pour faire publier des travaux montrant que l'Institut de virologie de Wuhan effectuait des travaux de gain de fonction depuis des années avant la pandémie, a déclaré que le projet Diffuse aurait pu se poursuivre même sans le financement de DARPA.